Le précédent intervenant, Baptiste, vous a expliqué à quel point la question de la vaccination était liée aux croyances. Et donc, c'est une bonne transition pour la présentation que je vais faire, qui s'intéresse aux représentations sociales de la vaccination, à la fois chez les patients et chez les médecins. En fait, c'est le travail de thèse d'un interne de médecine générale il y a 4-5 ans, qui s'appelle Romain Sardi, qui est médecin généraliste, et dont j'avais supervisé le travail. Et donc l'étude était basée sur une méthode de recherche assez originale de la famille de l'évocation hiérarchisée. Donc concernant les liens d'intérêt, je n'ai pas de lien d'intérêt récent en rapport avec les vaccins, mais pour être parfaitement complet, je peux dire quand même qu'en 2010, j'ai participé à... Oui, c'est le sens de l'histoire, en fait, voilà. Donc, à une étude sur la vaccinovigilance et notamment les critères d'imputabilité des événements indésirables éventuels au vaccin, donc avait été financé par un laboratoire lyonnais et international. Donc pour introduire la question, le point de départ de ce travail, et c'est une situation qui est toujours vraie aujourd'hui, même si les chiffres ont pu bouger un petit peu, on avait considéré qu'il y avait un décalage entre les opinions autour de la vaccination et puis les pratiques des différents acteurs, hein, que ce soit les patients, les médecins, et que quand on interroge les patients ou les médecins, en réalité, si on leur demande s'ils ont une opinion favorable sur la vaccination, on est surpris de voir qu'ils ont une opinion résolument favorable, donc à 90% pour les patients, jusqu'à 97% pour les médecins. Et du coup, on s'interroge, mais alors pourquoi, avec des acteurs aussi favorables, certaines couvertures vaccinales n'atteignent pas tout à fait les objectifs. Et c'est le cas, par exemple, de la vaccination contre l'hépatite B, qui est recommandée chez le nourrisson. Et en 2009, il n'y avait que 35% de couverture vaccinale contre cette maladie, même si depuis, ça a un petit peu évolué grâce à l'intégration du vaccin dans un vaccin hexavalent. Et puis, pour la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, il y avait une couverture vaccinale de 86% pour la première dose et seulement de 65% pour la deuxième dose en 2008, alors que l'objectif, en théorie, est de 95%, je crois, pour la vaccination, en tout cas, contre la rougeole. Donc, pourquoi c'est si compliqué ? Parce que ça ne touche pas que à la rationalité scientifique, mais aussi aux croyances et à l'imaginaire collectif. Déjà, le principe même de la vaccination est quelque chose d'un petit peu troublant, puisqu'on inocule un agent pathogène pour prévenir une maladie. Donc, à la limite, d'une certaine façon, c'est comme si on vous exposait à la maladie pour vous protéger de la maladie. Donc, c'est un petit peu ambivalent ou ambigu, d'une certaine façon. C'est d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, le même principe que l'homéopathie, mais il y a peut-être plus de dangers potentiels avec la vaccination. Enfin, je fais pas de publicité pour l'homéopathie. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des sentiments qui sont ambivalents dans la population, en fait, et qui ont pu changer au cours de l'histoire, comme ça a été un peu évoqué par Baptiste avant moi, et qu'en fait, ça déchaîne beaucoup de passion, la vaccination. Dans un sens ou dans un autre, il y a eu quand même beaucoup d'enthousiasme autour de l'éradication de la variole, et en France, et même au niveau mondial, par exemple. Et pareil pour la polio. Mais parfois, il y a des craintes, il y a eu des craintes très très importantes en France à propos du vaccin contre l'hépatite B, des craintes très importantes en Grande-Bretagne à propos du vaccin contre la rougeole, par exemple. Voilà. Donc l'objectif de ce travail, c'était de décrire les représentations sociales de la vaccination chez les patients et d'une part et chez les médecins généralistes d'autre part, et de comparer ces représentations entre les deux groupes. Donc la méthode qui a été utilisée, c'est une méthode héritée du monde de la psychologie sociale, donc qui est basée sur la théorie des représentations sociales. On a recruté un échantillon de 30 patients et 30 médecins généralistes. C'est des assez petits effectifs, en fait, et vous verrez qu'avec des petits effectifs comme ça, on est surpris de trouver des résultats qui font sens. Donc on a recruté les médecins dans la communauté urbaine du Grand Lyon, en fait, avec
un processus de randomisation avec tirage au sort à 2 degrés. D'abord, on a tiré au sort 30 communes parmi les 58 communes de la Courlie. Et puis après, on a tiré au sort un médecin dans chacune des communes. Et puis, ça, c'était pour recruter les médecins qu'on a interrogés. Et pour recruter les patients, on a pris le premier patient présent dans la salle d'attente après que le médecin ait été interrogé. Enfin, voilà, je vais vous présenter plus ce que j'appelle interroger le médecin, parce que c'est une procédure un petit peu particulière. Il ne s'agit pas d'une interview au sens où le font les anthropologues, par exemple, mais on remettait au médecin ou au patient un questionnaire papier, c'est-à-dire une feuille vierge, sur laquelle il y avait juste un titre qui était la vaccination. Ça s'appelle un concept inducteur ou un stimulus. Et on demandait à la personne de donner 7 mots ou expressions qui lui venaient à l'esprit en rapport avec le titre « La vaccination ». Et puis, une fois qu'il avait écrit ces 7 lignes, eh bien, il devait, pour chacune d'elles, donner l'ordre d'importance. Il fallait les classer de 1 à 7, et puis donner ce qu'on appelle la connotation de l'association, c'est-à-dire dire si ce que le patient avait ou le médecin avait écrit, c'était plutôt neutre, plutôt positif ou plutôt valorisé négativement. Et puis après, on recueillait quelques informations complémentaires à propos du médecin ou du patient pour mieux contextualiser les réponses qu'on avait recueillies. Donc, l'analyse des données a été faite de façon consensuelle entre l'étudiant et moi. On a identifié 27 sous-thèmes qu'on a rattachés à 7 thèmes qui étaient communs en réalité aux deux groupes, des médecins et des patients. On a estimé pour chacun des thèmes et des sous-thèmes, dans chacun des deux groupes, leur fréquence, leur rang médian d'importance et les indices de polarité. Donc, sur cette diapositive, vous voyez les 7 thèmes qui ont été identifiés. La première chose qui vient à l'esprit de beaucoup des personnes interrogées, c'est la notion de soin. La vaccination, c'est avant tout un processus de soin, avec des sous-thèmes comme le geste vaccinal, les acteurs qui interviennent dans la vaccination, la communication autour du geste vaccinal, la notion de rappel et de calendrier vaccinal. La vaccination, ça vise des maladies cibles, donc il y a eu des maladies qui étaient citées, des exemples. C'est rattaché à l'idée d'infection. La grippe a été extrêmement souvent citée, mais on était dans le contexte post-pandémie grippale, avec quelques guillemets, au moment de cette enquête. Et puis la notion de virus aussi était citée. Les acteurs citaient aussi les personnes cibles de la vaccination, en fonction soit des classes d'âge ou de critères socio-démographiques. Et puis il y avait beaucoup d'interrogations, surtout chez les patients, autour de la question du ciblage, en fait, de la vaccination. On en a un petit peu parlé dans les débats tout à l'heure. Il y avait bien entendu la notion des bénéfices et des risques. Donc les bénéfices, tout le monde s'accorde à dire que la vaccination, c'est un geste destiné à la prévention, qui améliore la santé. Certains sont très enthousiastes et disent que c'est un geste indispensable, qui constitue un progrès, qui est rassurant. C'est aussi, pour certains, un geste solidaire. Et ça peut aussi éventuellement faire apporter des économies au système de santé. Les risques, évidemment, c'est la notion de iatrogénie, et puis en revers, la notion du souci, de la préoccupation autour de l'innocuité des vaccins. Et puis, il y a un aspect, un dernier thème qui concerne les mécanismes, et là où c'est des choses un petit peu compliquées, mais c'est parfois cité que le vaccin repose sur des mécanismes immunologiques. Donc sur cet histogramme, vous avez la distribution des 7 principaux thèmes que je viens de présenter, du côté des patients en vert et du côté des médecins en bleu. Et donc vous voyez que le thème le plus fréquent dans les deux catégories d'acteurs, c'est le soin. Ensuite, donc il y a une unanimité. Il y a une unanimité aussi autour des bénéfices de la vaccination. Quand il y a un petit rond rouge, ça veut dire qu'il y a une différence statistiquement significative entre la fréquence dans un groupe et dans l'autre. Et en fait, la seule différence entre les médecins et les patients concernait les maladies cibles, puisque les patients citaient davantage de références en rapport avec les maladies cibles que les médecins. Probablement, pour les médecins, c'est plus implicite. Et pour les patients, les maladies, c'est des choses qui leur font peur. Hein. Donc, et ils les citent dans cette perspective-là. On y reviendra.
Alors, si on classe l'importance des thèmes selon les acteurs, il faut lire cet histogramme à l'envers. C'est-à-dire, plus la colonne est basse, plus c'est en ordre premier d'importance. Hein, puisque c'était classé de 1 à 7, du plus important au moins important. Donc, vous voyez sur cette diapositive que la principale différence, enfin, en termes d'importance, le soin était très important en premier rang, et en deuxième rang, c'est la notion des risques, hein, quand même, dans la priorité des acteurs, avec ici une différence aussi statistiquement significative sur la notion des risques, puisque les risques sont relativement plus importants pour les patients, qui les classent en quatrième rang d'importance, alors que pour les médecins, c'est en sixième rang d'importance. Et la différence est significative. Et en termes de polarité, donc la polarité, c'est la valorisation plus ou moins positive, négative ou neutre, elle est classée en fait entre moins 1 et plus 1, et 0 est représentant la valeur neutre. Donc sur cet histogramme, vous voyez qu'il y a des perceptions différenciées entre les médecins et les patients. Par exemple, sur le soin, le soin est vécu comme quelque chose de positif par les médecins et négatif par les patients. Ils font référence à la notion du geste, hein, et de la piqûre en réalité. C'est assez intéressant. Les maladies cibles, de la même façon, les médecins voient surtout la notion de prévention envers les maladies cibles, alors que les patients, eux, ont plutôt peur des maladies cibles. Il y a une différence importante pour pour les personnes cibles. En fait, c'est quelque chose qui est plutôt valorisé positivement de cibler les personnes qui sont enfin qui doivent bénéficier de la vaccination. Et chez les patients, c'est quelque chose qui est plus près du neutre, c'est-à-dire que c'est moins valorisé. Et en réalité, dans les sous-thèmes qui ont été identifiés, les patients étaient parfois même un peu inquiets de l'absence de ciblage. C'était comme ça que c'était formulé. Donc du côté généralisé de la vaccination, ce qui importait moins aux médecins. Et vous voyez que les risques, là aussi, il y a une inquiétude beaucoup plus grande autour des risques, puisque l'indice de polarité, il est proche de moins 1, en fait, pour les patients, alors que c'est beaucoup plus relativisé par les médecins. L'indice de polarité, il est à moins 0,3. Et au total, quand on évalue l'indice de polarité global, pour tous les thèmes, il y avait un indice qui était de 0,38 pour les médecins, donc relativement positif, et il était de 0,07 pour les patients. Donc en fait, on était plus proche d'une certaine neutralité. Donc si on en juge sur cet indicateur, finalement, les patients ont une opinion relativement partagée sur le vaccin en général, en supposant qu'ils intègrent une sorte de balance bénéfice-risque. Alors que du point de vue des médecins, la balance est beaucoup plus fortement positive. Donc, si on résume un petit peu ces perceptions, la vaccination représente un soin globalement relativement peu douloureux, qui est réalisé par des professionnels de santé dans le système français, surtout par des médecins, qui vise à prévenir l'apparition de maladies, qui cible principalement les enfants et en second lieu les personnes âgées, qui représente un enjeu de santé publique, mais qui peut dans certains cas susciter la méfiance, et notamment envers l'industrie pharmaceutique. C'était quelque chose qui était cité dans certains sous-thèmes, notamment, à propos du thème de l'organisation. Mais ce qu'on a pu montrer avec des tests statistiques, c'est qu'il y a une évaluation probablement différente du rapport bénéfice-risque entre les patients et les médecins. Donc, concernant les maladies cibles, les patients ont peur de ces maladies et les médecins, eux, y voient l'assurance d'une protection contre ces maladies. Concernant les risques, les médecins, eux, sont convaincus globalement de l'innocuité des vaccins de façon générale. Et alors que les patients, eux, mettent plus en avant la crainte d'effets indésirables éventuels. Et il y avait aussi des critiques qui apparaissaient dans les sous-thèmes autour du calendrier vaccinal qui était jugé comme à la fois lourd et trop changeant par les professionnels de santé. Et puis il y avait aussi une différence
autour des enjeux individuels et collectifs. Les aspects collectifs étaient surtout rapportés par les médecins, en fait, et très peu par les patients, qui, eux, avaient une vision plus individuelle et étaient un peu méfiants envers le caractère systématique des vaccinations et trouvaient qu'elles manquaient de ciblage. Donc, au terme de ce travail, nos préconisations, c'était d'essayer d'améliorer la communication autour des vaccinations, en essayant de concilier une vision collective de la vaccination et une approche individuelle. Donc, c'est pas parce que les patients spontanément ne sont pas attirés par les bénéfices collectifs de la vaccination qu'il faut s'interdire d'en parler. C'est souvent, en fait, je pense, parce qu'ils ne les connaissent pas. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le professeur Floret, après, va nous parler de cette question importante. Il faut aussi avoir des arguments à apporter aux patients pour l'en convaincre. Ce n'est pas forcément simplement un refus de la part des patients. Et puis, il faut aussi mieux connaître les représentations des patients qui sont dans certains cas un petit peu différentes, comme on a pu le voir, de celles de nos propres représentations en tant que professionnels de santé. S'appuyer sur la confiance dont on bénéficie auprès de nos patients, c'est un énorme capital. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire n'importe quoi. Il faut l'utiliser évidemment à bon escient. La confiance, ça doit aussi se mériter et s'entretenir. Et puis, il faut savoir évaluer les données scientifiques de façon critique et pour être à même de les transmettre aussi à nos patients. Donc, en conclusion, comme vous avez pu voir, les représentations à la fois des médecins et des patients sont globalement positives et relativement partagées. Tout le monde a bien perçu qu'il y avait l'aspect central de la prévention et apparemment, les deux groupes d'acteurs reconnaissent les bénéfices qu'on peut attendre de la vaccination en général. Il y avait, semble-t-il, des divergences qui nécessitent une optimisation de la communication autour de deux choses, les bénéfices collectifs, d'une part, et les risques iatrogènes potentiels. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les occulter, parce que c'est quelque chose de très important pour les patients. Donc, il ne faut pas faire l'économie d'aborder la question, pas seulement des bénéfices, mais aussi des risques éventuels. Quitte à être en situation de rassurer le patient si les données de surveillance, de pharmacovigilance sont rassurantes d'ailleurs. Et puis il y a des perspectives, la conclusion de ce travail, c'était de dire qu'il y avait des perspectives de recherche, parce qu'en réalité, comme vous avez pu voir, on a utilisé comme mot inducteur la vaccination. Et je pense sincèrement que si je refaisais ce travail aujourd'hui, j'utiliserais les vaccinations. Je pense que je n'avais pas tout à fait la même maturité sur cette question il y a 5 ans en arrière qu'aujourd'hui. Et en réalité, c'est pas raisonnable, comme l'a dit Luc Perrineau, d'amalgamer dans un même concept l'ensemble des vaccinations en réalité. Parce qu'il y a des vaccinations très efficaces, des vaccinations très peu efficaces, des vaccinations obligatoires, recommandées, non recommandées, des vaccinations clairement dangereuses, certains vaccins ont été retirés du marché, des vaccinations peu dangereuses, des vaccinations exceptionnellement dangereuses, etc. Donc c'est difficile de tout rassembler dans un même concept. On pourrait faire des études plus ciblées sur tel ou tel vaccin, et il y aura quelques exemples d'ailleurs cet après-midi, comme par exemple autour du vaccin contre le papillomavirus. Et puis là, on a utilisé une méthode de recherche bien particulière, et comme chacun sait, c'est toujours bien de multiplier les approches méthodologiques autour d'une question de recherche, car c'est une méthode originale, mais qui a aussi ses limites. L'intérêt, peut-être, parce que je ne l'ai pas dit dans la présentation méthodologique, de ce type de méthode, c'est qu'on limite le risque d'influence du chercheur sur le répondant, et le risque de... On limite probablement, en partie, peut-être pas complètement, ce qu'on appelle le risque de désirabilité sociale, parce qu'on n'influence pas... Le répondant, parce qu'on ne lui pose pas de questions directement, en fait. Contrairement aux interviews individuelles ou collectives, par exemple. Voilà. Je vous remercie. Merci, Laurent. J'ai une question. Donc, moi, ma question aux internes, à l'assistance, c'est de savoir si vous savez où trouver les données qui permettent d'établir la balance bénéfice-risque des vaccins qui sont recommandés, voire obligatoires, dans le calendrier vaccinal. Ah ah.
Là, vous êtes repéré. Où trouver les données permettant d'établir la balance bénéfice-risque des vaccins conseillés dans le calendrier vaccinal ? Là, ils sont séchés. Hein. Ça ne doit pas être si facile. Hein. Il n'y a pas de piège. Hein. Bon, sinon, vous avez peut-être des questions sur l'intervention de Laurent Letriard ou des commentaires. Bon, ces données, c'est quand même pas quelque chose, c'est pas une question piège. Je dis, c'est comme quand vous cherchez des données, même ne concernant pas la vaccination, qu'est-ce que vous faites sur un risque quelconque? Vous le faites forcément. Vos maîtres de stage le font. Bon. Moi, ça... je peux peut-être vous aider un tout petit peu à répondre parce que. Je vous ai posé cette question parce que je savais qu'elle était difficile et parce qu'en fait, même en tant que professionnel de santé, moi-même, ou qu'enseignant, je trouve que ces données sont difficiles à accéder en réalité. C'est très facile d'accéder au calendrier vaccinal. Ça, vous le trouvez très, très facilement. Il est réactualisé chaque année. Il est publié dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire et sur les sites web officiels. Plus, bon, alors, mais on le trouve quand même facilement sur Internet. Le calendrier vaccinal, il n'y a aucun problème. Mais la notion des bénéfices et des risques des vaccins, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. J'ai découvert, j'avoue humblement, il n'y a pas longtemps, que tous les vaccins disposent, comme les médicaments, d'un SMR et d'un ASMR, en réalité. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Moi, jusqu'il y a très peu de temps, j'en avais même pas conscience, en réalité. Ça veut dire que jamais je me m'étais interrogé quel est donc le SMR ou l'ASMR de tel ou tel vaccin, alors même que pour plein de médicaments, je me pose cette question en permanence, enfin, ou très fréquemment, en tout cas. Donc déjà, ces données, elles existent, mais d'abord, faut-il savoir qu'elles existent, et puis, je ne sais pas s'il y a un site, par exemple, qui les référence de façon très facilement accessible, par exemple. Voilà, la chasse, mais bon, il n'y a pas tous les ASMR de tous les vaccins, il faut aller chercher vaccin par vaccin dans les documents de la commission de la transparence, ça demande quelques minutes quand même. C'est pas, ça prend du temps. Voilà. Non, mais si on tape sur Internet cette question-là, on tombe sur tous les sites des antivaccinaux. C'est ça qu'on trouve en premier. Oui, mais eux, ils ne s'intéressent pas tellement à la SMR et au SMR, les antivaccinaux. Non, mais... J'ai pas trop d'inquiétude. On tombe là-dessus, donc il faut bien sûr avoir un esprit un peu critique et peut-être essayer d'avoir cherché ailleurs. Bon, alors il y a le site de la HAS, il y a le site du Haut Comité de Santé Publique, hein, il y a quand même tous les avis. Et il y a par exemple assez peu de revues Cochrane sur les vaccins. Ouais, alors après, il y a des raisons pour lesquelles il y a assez peu de revues Cochrane. Il y en a... Si, il y en a beaucoup ? D'accord, mais elles sont souvent critiques. C'est pas balance bénéfice-risque, hein, les revues Cochrane. Non, c'est surtout sur les... Oh, encore que... Les Cochrane, en général, ils statuent sur, l'efficacité des vaccins. Mais je crois qu'on peut trouver on peut trouver la réponse à votre question pour les nouveaux vaccins, puisque chaque fois qu'un nouveau vaccin est évalué, ce qui est évalué, c'est sa balance bénéfice-risque. Alors, il y a une double évaluation. Il y a l'évaluation individuelle, et ça, c'est fait au niveau des agences, au niveau de la NSM. Et dans le RCP de tous les vaccins, il y a une évaluation du bénéfice-risque individuel. Et puis, il y a le bénéfice collectif. Et ce bénéfice collectif, il est analysé dès lors qu'il est envisagé d'introduire ou de ne pas introduire un vaccin dans la population. Et la balance bénéfice-risque, on peut trouver cette analyse qui est faite systématiquement dans les avis
du Haut Conseil qui disent qu'il faut recommander ou pas recommander ce vaccin. Mais ça n'est valable que pour les vaccins récents. Si vous me demandez quelle est la balance bénéfice-risque d'un vaccin qui existe depuis 20 ans, vous ne le trouverez pas, ça c'est clair.